L'inspiration, il me vient de John Galliano. Et donc j'ai créé de Taylor Manson. C'est un parfum purement d'amour. Et cet amour, je l'ai retranscrit avec un accord romantique, un côté très romantique que John Galliano peut avoir, donc avec la rose et le musc. Et l'accord beaucoup plus, et un côté beaucoup plus rock, beaucoup plus glam rock, beaucoup plus jeune, moderne, pétillant. Et ça, je l'ai traduit avec de la myrtille et un côté, une fleur de jasmin qui est vibrante et qui est très jeune aussi et très pour faire un contraste très fort entre les deux. Toute femme, en fait, la femme parfaite pour ce parfum, c'est une femme qui veut porter de l'amour et qui veut séduire tous les hommes. Donc en fait, il n'y a pas d'âge vraiment. John Galliano m'a demandé de faire un parfum pour les jeunes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette myrtille, ce côté très rock que représente Taylor Manson. Mais je crois que toutes les femmes veulent l'amour et peuvent porter ce parfum. Penso che la moda insomma sia qualcosa, è un gioco molto serio, e siccome insomma anch'io faccio un lavoro che è un gioco serio, mi piace comunque sostenere e partecipare quando la moda è a così alti livelli. Cioè, Galliano è, penso che abbia cambiato la storia della moda degli ultimi anni, quindi è un onore per me essere qui. John Galliano, devo dire che è un rock elegante che mi piace, quindi sono qua anche per conoscere quelli che lavorano con lui e poi sono qua con amici soprattutto.